Les Gallois et les Sussex semblent avoir mis leurs différences de côté dans une démonstration d'unité après la mort de la reine. Le prince William, Kate, le prince Harry et Meghan Markle ont rejoint d'autres membres de la famille royale lors d'une réunion intime ce soir alors qu'ils recevaient le cercueil de feu la reine au palais de Buckingham. Le prince de Galles et le duc de Sussex ont été mêlés à une rupture bien documentée, mais leur chagrin pour leur grand-mère bien-aimée les a réunis. Les frères et leurs épouses ont rejoint le roi Charles. La reine consort Camilla et d'autres membres de la famille royale pour un moment privé à l'intérieur du palais de Buckingham mardi soir alors que le défunt monarque effectuait son dernier voyage d'Écosse à Londres accompagné de la princesse Anne. Des foules immenses de sympathisants se sont rassemblées devant la résidence royale du centre de Londres où le cercueil de feu la reine, drapé d'un étendard royal avec une couronne de fleurs de Balmoral, est arrivé de la RAF Northolt. Des applaudissements et des acclamations de Hippipoura ont retenti lorsque le corbillard d'État, conçu pour donner aux membres du public une vue dégagée, a pénétré dans le palais. Dans les coulisses de la grande entrée du palais, le nouveau roi et la reine consort étaient entourés d'autres membres de la famille royale pour rencontrer le cercueil. Sur les marches aux côtés de Charles et Camilla se trouvaient William, Kate, Harry et Meghan. Les Gallois et les Sussex avaient l'air sombres lorsqu'ils ont été vus arriver à la résidence plus tôt mardi. La réunion privée a eu lieu quelques jours seulement après que les soi-disant Fab Four sont sortis ensemble pour une promenade surprise à l'extérieur du château de Windsor pour le plus grand plaisir des fans royaux après que William ait tendu une branche d'olivier à son jeune frère avec l'invitation à se joindre à lui et à Kate. Cependant, il a été rapporté que la rare apparition conjointe dans le Berkshire n'a eu lieu qu'après de prolongées négociations.